Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'amour, d'un amour pur et sincère qui n'attend rien en retour. Et pour ça, je dois vous raconter l'histoire d'une jeune femme merveilleuse qui méritait d'être aimée, qui mérite encore d'être aimée. Parce qu'avant tout, Dieu l'aime plus que tout. Et elle est quelqu'un de bien. Pour garder l'anonymat de cette personne, on l'appellera Manuela. Manuela est une jeune femme qui aime les autres. C'est une femme sur qui tout le monde peut compter. C'est une femme sur qui on peut attendre que les bonnes choses. Mais elle aussi quelque peu naïve et rêveuse. Elle croit en l'amour et à la sincérité des autres, aux bonnes fois des autres. Malheureusement, parfois, on ne peut pas toujours compter sur la bonne foi des autres, la bienveillance des autres. Alors on doit se protéger, en s'entourant que d'amour, d'estime de soi, de respect, et ne pas tolérer que quelqu'un nous marche dessus. Manuela est humiliée, méprisée en public, dans son entourage, par ses amis. Manuela est méprisée par l'homme qu'elle aime. Elle se dit, oh, un homme aussi beau, aussi charismatique, si je le quitte, qui d'autre m'aimera? Alors je reste, je supporte, je souffre, en silence, mais au moins il est à mes côtés. Cet homme l'humilie, le trompe, en public, sans se gêner. Parfois, il abat, il insulte. Ils peuvent aller en fête, dans des fêtes, ou même sortir, aller se balader. Et si ça lui prend, et s'il s'énerve, si Manuela lui pose une question de travers, qui fait qu'il doit faire face à ses mensonges, il s'énerve, il insulte, la critique, l'insulte sur son physique, l'insulte sur son intellect, et aussi parfois lui porte la main. Manuela continue encore de supporter, parce qu'elle estime que c'est tout ce qu'elle mérite, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je veux dire à tous les Manuela du monde, Dieu vous aime, vous méritez d'être aimé. Ces personnes-là ne vous aiment pas, pas parce que vous ne le méritez pas ou que vous manquez quelque chose qui fait que ils estiment qu'il y a mieux ailleurs. Non. Ces personnes-là ne savent pas aimer. Ils n'ont jamais aimé, ils n'aimeront jamais. Ils ne sont même pas capables de s'aimer eux-mêmes. Parce que s'ils s'aimaient eux-mêmes, ils sauraient que c'est une bénédiction pour eux que vous soyez dans leur vie. Ils doivent vous chérir et tout faire pour vous garder, afin de vivre encore plus heureux. Alors je viens te dire à toi, Manuela. Tu es peut-être la Manuela qui va me regarder aujourd'hui. Laisse que tous ceux qui sont autour de toi soient que des gens qui t'aiment et qui méritent ton amour. Des personnes sur qui tu peux compter. Des personnes sur qui tu peux miser même ton avenir. Si ce n'est pas des personnes sur qui tu peux compter même à 4 heures du matin, alors ces personnes ne méritent pas ton amour. Vous ne devez pas accepter d'être maltraité et malmené par qui que ce soit, sous prétexte qu'il a beaucoup d'argent ou qu'elle a beaucoup d'argent. Je parle d'une femme, mais ça concerne aussi les hommes qui subissent des choses humiliantes et insupportables de la part de leur partenaire. Alors je vous invite à réfléchir, à vous dire, mais la vie est courte. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je dois m'infliger ça? Dieu t'a donné une vie, pas pour que tu la vives dans la souffrance et dans la douleur, mais que tu la vives en paix et dans la joie. Ok, c'est vrai, dans le monde, il y aura toujours des tracasseries, ça ne cessera pas, du moins pas tout de suite. Mais nous pouvons le vivre en paix. Nous pouvons vivre ces choses sans que ça puisse porter atteinte à notre joie, sans que ça puisse nous briser, sans que ça puisse nous changer d'une façon négative. Nous avons le Saint-Esprit, Jésus-Christ est là. C'est eux notre joie, nos guides, ceux qui nous rassurent. Toi, Manuela, qui souffres, qui continues à croire que c'est ça ta vie, c'est ça ton destin, je tiens à te dire aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites ceux qui connaissent ta valeur, ceux qui comprennent la grâce qu'ils ont de t'avoir dans leur vie. Alors je t'invite à méditer avec moi. 1 Jean 4, verset 8, qui me dit, qui parle bien de ces personnes-là, qui ne savent pas aimer, qui ne se rendent pas compte de l'importance de votre amour dans leur vie. Je lis Jean chapitre 4, 1 Jean pardon chapitre 4, verset 8, qui me dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ces personnes-là ne connaissent pas Dieu, c'est pour ça qu'ils ne vous aiment pas. Ils ne savent pas c'est quoi l'amour, le vrai amour sincère, qui n'attend rien en retour, qui respecte l'autre, qui fait tout pour toujours rendre l'autre heureux. Alors arrêtez de perdre du temps, à vous faire souffrir pour rien. Dieu vous aime plus que tout. Il a permis votre création sur cette terre pour que vous puissiez vivre votre vie dans la joie et dans la paix. Et c'est un péché si vous laissez des personnes dans vos vies détruire cette paix, détruire cette joie. Dieu veut que ton cœur soit dans la joie, parce qu'un cœur heureux signifie un corps en bonne santé, signifie un cerveau, une tête en paix. Alors, est-ce que tu veux rendre Dieu triste, lui disant que oui, tu m'as donné la vie,
Tu as tout fait pour que je puisse vivre heureux, mais moi-même je me mets dans des situations douloureuses. Je ne pense pas. Alors j'invite tous les Manuela d'aujourd'hui. La vie est courte, elle est belle et magnifique. Dieu nous permet de vivre cette vie à fond et pleinement. Alors ne laissons pas qui que ce soit bousiller notre joie, notre bonheur. Entourez-vous des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment, des gens qui vous respectent, que vous respectez aussi en retour. Entourez-vous de tout ce qui est positif, de tout ce qui est bien. Vous aimez la musique, alors écoutez la musique sans modération. Vous aimez des théâtres, vous aimez tous les spectacles humoristiques, alors regardez-les, rigolez, riez autant que vous voulez dans la journée, ça fait du bien. Ça vous permettra de surpasser tout ce qui peut passer dans votre vie. En plus, en ces périodes de confinement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de laisser qui que ce soit vous torturer, vous faire souffrir moralement et physiquement? N'est-ce pas, la pandémie s'en charge déjà de mettre la pression ça et là, alors ne laissons personne nous faire souffrir. Marche avec Jésus, marche avec le Saint-Esprit. Parce que lui, il veut ton bien et il te montrera qui mérite d'être dans ta vie. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, nous écrire, on a deux pages, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Vous avez aussi la page, notre chaîne YouTube qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. On vous invite à vous abonner et surtout à ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions. Vous avez plus de 260 vidéos d'encouragement, d'enseignement pour vous éveiller spirituellement, pour vous fortifier, pour vous permettre d'être autonome dans la vie et vivre dans la joie et en paix. Alors on vous invite à les regarder, à les méditer, à lire la Bible. Donnez-vous une routine, louez le Seigneur de temps en temps, lire la Bible de temps en temps. Vous allez voir comment ça va changer beaucoup de choses, ça va vous restaurer. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous aime énormément. Que la joie et la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, une paix, une joie qui ne vient que de Dieu, habite dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. À tous les Manuela du monde, il est temps que vous preniez la décision de vivre heureux et en paix et de ne laisser personne bousiller votre joie. Car vous êtes responsable de votre bonheur, responsable de votre joie. N'attendez pas que Dieu puisse descendre pour vous rendre heureux. N'attendez pas que qui que ce soit vienne vous rendre heureux. Non, Dieu a déjà mis toutes les capacités en vous, toute la possibilité d'être heureux et vivre épanoui en vous. Alors maintenant, c'est à vous de prendre des décisions pour maintenir cette joie et cette paix pour l'éternité dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Ciao, c'était l'apôtre Harmonie.